Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Murder sous le suspect. Alors, ça vous dit que je commence? Hein? Eh ben, on va commencer. Allez, c'est parti. Donc, on s'était arrêté devant cette jeune fille qui voilà. Cette jeune fille qu'on cherche depuis un moment déjà. Hein. Tu m'as bien emmerdé, toi, hein, petite. Je dois apprendre ce que c'est le témoin. Allez, c'est parti, on va la posséder. Suggérer. Suggérer. Le tueur. What? Si tu essayes encore une fois de me posséder, je... Arrête! Tu n'as aucun droit de m'impliquer dans tes affaires non Attends, résolues! Je suis sur la piste de mon assassin, d'accord? Celui qui a failli s'en prendre à toi il n'y a pas une heure. Et si... Attends un peu. Tu peux me voir? Et tu m'entends? What? Pourquoi? Ok, allez. Incroyable. Tu es médium. Bah mon vieux, ça c'est ce qu'on appelle du bol. J'ai trouvé l'assistante parfaite. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ma famille? Aider la police à faire son boulot, c'est pas un privilège, c'est un piège. Je suis ni ton indique, ni ton équipière, ni ton ami. Je te dois rien. C'est triste en fait, ce que tu me dis. C'est le contraire. Ok, j'ai compris. T'es une dure, d'accord. Mais tu l'es pas autant que lui. T'as bien vu ce qui s'est passé. Il en a après toi ou quelqu'un que tu connais. Et cette personne peut s'estimer heureuse d'être encore en vie. Je sais ce que je fais. Et tu peux m'aider à l'arrêter. Tu n'as qu'à répondre à quelques questions. Ok, je suis désolée. Ce qui t'est arrivé, c'est horrible. Et Tu m'as sauvé la vie, alors, qu'est-ce que tu veux? Ça va, calme-toi, je voulais pas t'agresser, écoute. J'ai pas trop le choix, qu'est-ce que le tueur peut bien te vouloir? Je me suis fait descendre en suivant cet enfoiré dans votre appartement. Qu'est-ce qu'il veut, à ton avis? Ce taré en avait plus tôt après ma mère. Pas moi, moi, je suis personne. Invisible. La oh là là, moi, ouais, ouais. Comme ça. Moi je suis invisible, je suis un fantôme. Pas se faire remarquer. Aïe, on a dit pas les mamans. Dépêche mon pote. Oh, calme-toi. Il en avait après ta mère? Non, pas les mamans, j'ai dit. Elle est comme moi. Mais elle a trouvé un moyen respectable d'en faire son gagne-pain. C'est pour ça qu'elle est toujours en danger. Bon, hein, on va faire dans l'ordre, parce que c'est pas... Où est ta mère, petite? Aïe, sûrement petite. Morte. Elle m'aurait jamais laissée sans me dire où elle allait, jamais. Je ne sais pas où elle est. Mais je suis sûre que le crieur a un lien avec sa disparition. La preuve, c'est qu'il est apparu ce soir. Ok. S'il l'a tué. Bon, les visages, ils sont pas très réalistes, hein, je trouve. J'en sais rien. Écoute, imaginez. En tout cas, le visage du gars. Ses yeux me perturbent, en fait. Pourquoi tu n'habites pas là-bas? Pourquoi t'habites plus là-bas? À cause des gens comme toi qui veulent tout le temps de l'aide. Tous ceux qui veulent contacter un proche pour lui dire au revoir ou résoudre un pauvre problème. J'aime ma mère, mais je suis obligée de déménager tout le temps, sinon vous finissez toujours par me trouver. Oh. Moi non plus, j'ai pas trop grandi chez moi. Bon, on s'en fout, raconte pas ta vie. Ouais, j'y crois pas. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu faisais dans votre appartement? J'habite là-bas, Sherlock. Enfin, j'habitais. Bref, ma mère a disparu il y a quelques jours.
Je la vois pas souvent, mais elle s'est jamais volatilisée. Pas comme ça. J'ai beau faire les questions dans l'ordre, ça s'enchaîne très bizarrement quand même. Hein. Un moyen respectable. Ouais. Hey, tu la connais peut-être. Elle a assisté tes potes flics sur l'affaire du crieur. Elle est consultante. Profileuse. Désolé, petite. Ça me dit rien. J'ai trouvé ça dans l'appartement. Ça parle d'un carnet sur le crieur des morts. Et c'est son écriture. Un carnet sur le crieur. Si elle est profileuse, c'est sûrement là-dessus qu'elle prend ses notes sur l'affaire. Il doit être au poste. Ah oui? Vas-y, je suis à deux doigts de me tirer. Oui, excusez-moi, j'entendais du bruit, je voulais voir ce que c'était. Vas-y, je suis à deux doigts de me tirer. Eh ben tire-toi, vas-y. Oh, tu connais le tueur? Bah oui, évidemment qu'elle le connaît, sinon... Mon tueur avant ce soir. Oh là là, c'est question débile, c'est quoi? Est-ce que t'as une idée de son identité? Les flics sont tellement en rade d'indices que vous êtes obligés de demander aux gens s'ils connaissent le tueur. Je comprends pourquoi tu as besoin d'aide. Je le demande pas aux gens, je le demande aux témoins dont je viens de sauver la vie. Enfin, ça fait un moment maintenant. Tu dois être protégé. Non, sans blague, si elle connaissait le tueur, elle nous l'aurait dit, je pense. Je peux t'aider à retrouver ta mère. Toi et moi, on a un problème en commun. Je crois pas, non. Le prends pas mal, tu m'as sauvé la vie et je te remercierai jamais assez. Mais tes problèmes sont tes problèmes, les miens sont les miens. Les voilà. Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Bon séjour dans l'au-delà. Hey, attends une minute, t'en vas pas. Arrête-toi une seconde, d'accord? On est dans la même galère, si ta mère est impliquée, il vaut mieux qu'on collabore. Qu'on collabore? Et tu vas faire quoi? Tu es mort. Je m'en sortirai, alors laisse-moi tranquille. What? Hurlement puissant. Haha, fou Sroda. Qu'elle en sait plus. Il faut pas qu'elle parte. Il doit y avoir un autre moyen de descendre. On ne doit pas perdre la trace du témoin. Elle est la seule à pouvoir m'aider à retrouver le crieur. Démarrer l'enquête. Ok, donc il faut que je la rattrape. What? Oups. Je crois que je me suis un peu décalé sur la droite. J'ai rien eu le temps de faire, quoi. Bon. Je vais aller fouiller là-bas, quand même. Ah, voilà. Et voilà, complété. Alors, démarrer le média. Il était environ midi, un dimanche, quand je reçus un appel du pasteur. Il recherchait quelqu'un pour retaper la vieille église. Ça faisait plus de 40 ans qu'elle était à l'abandon. Perché sur la colline, depuis qu'un incendie causé par la foudre l'avait ravagé en 1898. Évidemment, j'acceptais de l'aider. Dès que je suis entré, un frisson d'angoisse inexplicable m'a traversé. J'ai immédiatement senti que quelque chose clochait. Mais j'ai fait comme si de rien n'était et je me suis mis au travail. En commençant à démonter les planches, qui étaient toutes pourries, je suis tombé sur un vieux nid à rats. Il n'avait pas l'air bien différent de ceux que j'avais vus en 22 ans passés à travailler sur des chantiers. Jusqu'à ce que je réalise que le rat avait fait son nid à partir de cheveux d'os humain. Tout à coup, le plancher du deuxième étage a commencé à grincer au-dessus de ma tête. Et j'ai entendu une jeune fille qui pleurait. Alors j'ai eu peur. Peur que le plancher cède sous son poids. Alors j'ai crié « Hey, arrête! Tu m'entends? Descends de là, tout de suite !» Mais le son de ma voix avait dû la surprendre, parce que elle n'a plus fait aucun bruit. Je suis donc monté à sa recherche. À ma plus grande surprise, la pièce du haut était complètement vide. Ça m'avait pris à peine une minute de monter à l'étage, et si la fillette s'était enfuie, je l'aurais entendue. À ce moment-là, les pleurs ont repris de plus belle. Mais cette fois, ils venaient du clocher. À
Alors j'ai décidé de monter jusque-là, et en grimpant les marches délabrées, j'ai remarqué qu'elles étaient recouvertes de sang séché. Et lorsque j'ai enfin atteint le beffroi, ce que j'ai vu m'a glacé jusqu'à l'os. J'avais là, juste sous mes yeux, le squelette desséché d'une fillette. Ses vêtements délavés, ses os blanchis, tout laissait à penser qu'elle avait passé la majeure partie de ses 40 dernières années ici. Je veux dire, les rats avaient dévoré jusqu'au dernier morceau de chair. Oui, je me suis enfui en courant, et je ne me suis arrêté qu'en arrivant dans la ville. La police n'est jamais parvenue à identifier la fillette. Les ravages du temps étaient trop importants. On ne saura probablement jamais qui l'a tué. Il paraît que parfois, on peut encore l'entendre pleurer. Quant à moi, je n'y suis jamais retourné. Ok, super. C'était vachement long et tout ça m'a donné très faim. Je sais pas vous, mais moi, une fille morte depuis 40 ans, rongée par les rats... voilà. Allez, c'est parti, on s'en va d'ici, on se barre et on va rattraper le petit... La petite fille. Ah, c'est fermé. Oh. Allez, miaou, ouvrez la porte, ouvrez la fenêtre. Petit fantôme, tu peux ouvrir la fenêtre, non? Bon, on va chercher un autre endroit. Ah, on peut sauter là. Et ça ne sert strictement à rien. Ah, voilà. Olé, vas-y, saute. Ah, ok. Je croyais qu'il allait faire un super saut au ralenti, mais non, en fait. Pas du tout, tu vois. Ah, voilà, je voulais lui parler à lui, voir ce qu'il faisait. Allez, hop. On serait mieux à la maison, enfermé à double tour. Quoi? C'est tout ce que tu voulais dire? Mais t'es pas intéressant comme mec. Donc, hop, alors... Je ne sais pas, Angie. Brian est un garçon charmant. Ouais, on s'en fout. Le chat ne m'est plus d'aucune utilité. L'ascenseur, il est où l'ascenseur déjà? Il est là, l'ascenseur. Et elle est où? Elle est où, elle? Attends. Ah, elle est là. Reviens. Mais tu pars déjà. Oui, désolé. Je reviendrai. Ne m'attendez pas. Fais attention à toi, mon enfant. Oh, il s'inquiète. Par contre, tu peux pas revenir parce que je peux pas passer là. Je fais comment pour passer? Poursuivez le témoin. Petit prêtre. Oh. Ouais. Je vais faire le tour peut-être. Il doit être là le prêtre. Waouh, 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 waouh. Ouf. J'ai chaud. Bon bah c'est pas par là. Allez. Bah ça doit être. Petit prêtre, viens là. Ah. Poltergeist. C'est la même chose que la télé, ça. Je sais pas ce que ça fait. Ah! Ah, ça a appelé le prêtre! Ok, ça lui a donné envie de passer l'aspirateur. Vas-y, passe l'aspirateur. Oh, mais... Qu'est-ce qui te prend? What? Il parle à l'aspirateur! Ok. Bon bah ça m'a permis de passer. Oula. Ah d'accord. Je me sentais pas bien là. Je reviens. Ça m'inspirait pas confiance. Alors, voyons voir.
Vous pouvez activer certains objets pour détourner l'attention des démons et les rendre vulnérables. Par exemple, les corbeaux peuvent s'avérer très utiles. Ok. Bah, on va voir ça. Cachez-vous pour vous approcher des objets de diversion. Détourner l'attention du démon. Au moins ici, il ne peut rien nous arriver. Ok, vous pouvez exécuter un démon lorsqu'il vous tourne le dos. Bah ça, je le sais, merci. Attention. Oh. Ah bah voilà. Voilà, voilà. Ouais. Ah, le corbeau encore. Oh, oh, le corbeau il t'appelle. Oh, tu viens voir le corbeau? Attention. Ah, folle. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Eh, j'ai progressé, non? Ouais. Allez, c'est parti, on s'en va. J'en ai marre de cette église. Allons-nous-en. Bon sang. Et maintenant. Il y a trop de cinématiques, moi, je trouve. Hein. Je sais pas vous, mais... Oh non. Fallait mourir d'une crise cardiaque. Alors, où elle est partie, hein? Eh oui, tu parlais à un chat, mon gars, il risque pas de te répondre. Hein. What? Ah si, il va répondre. Quel indice pourrait m'indiquer sa destination? Ouah, c'était dur. Enfin, pour l'instant, hein, c'est assez facile. J'espère que ça va devenir un peu des énigmes un peu plus compliquées, des trucs un peu de foufou. Si c'est comme ça du début jusqu'à la fin, on risque de s'ennuyer. Elle passera inaperçue. Tu savais que sa mère bossait pour la police? Très bien, comme tu voudras. Allez, haha. T'as pas le feeling avec les chats, t'as pas le feeling avec les chats, écoute. Bon allez, récupère-le que je veux redevenir un chat, moi. Je veux faire le chat. Non, le chat. Dégage le chat. Il est temps de retourner au poste. Vas-y, prends ton temps. J'ai tout le temps. Hein. Le chrono, il est à 8 minutes. Ça fait plus de 8 minutes. Hein. C'est parce que j'ai mis en cours. Voilà, je suis démasqué. Oh là là. Les témoins se dirigent. Allez, allez, on s'en fout. Il n'y a pas de... Ok. Bon bah c'est parti, hein, on va faire demi-tour, direction le poste de police. Oula, 130 mètres hein, quand même. Bon ici j'ai déjà tout fait. Ok, je peux pas passer par là. On fait le tour de ce magnifique bateau qui est complètement inutile. On est bien d'accord. Ok, ok, 53 mètres. C'est bon, on approche, on approche. Ah, il y a un truc là-bas. Bah écoutez... J'ai pas vraiment envie d'y aller parce que c'est pas spécialement sur le chemin du poste, alors on ira peut-être plus tard. Hein. Allez, on ira la prochaine fois, c'est sûrement sûrement qu'on devra aller là-bas et y retourner, donc il n'y a pas de souci. Allez, prends. Romain fait sa demande. Aujourd'hui, il m'a fait sa demande, je n'ai pas su quoi répondre, je veux être avec lui, je l'aime, mais blablabla, on s'en fout, si vous voulez lire, vous appuyez sur pause et vous lisez. Et je vais pas passer ma vie à lire ces trucs, hein, faut pas abuser non plus.
Salut. Je devrais rentrer maintenant. Bah rentre. Qu'est-ce que tu fous? Franchement, pourquoi tu rentres pas? Et qui de nos jours sort dehors la nuit, s'assoit sur un banc et ne fait rien? Super activité, tu as une belle vie toi. N'importe quoi, je veux dire. Bon, témoignez, hein, je veux en commentaire savoir qui de vous sort la nuit et s'assoit sur un banc tout seul. Ouais, tout simple. Bonjour. Difficile de croire qu'un flic s'est fait tuer ce soir. Bon, reviens, tu m'emmènes trop loin là. What? Oh, je peux pas passer à travers. Bon, c'est bien foutu quand même. Je pensais que ça, j'allais glitcher un peu. Non, même pas. Tant pis. Bon, voilà. Je vous laisse lire. Encore? Mais il y en a de partout. Ah, c'est pas... ça n'est pas un... Reste dans les endroits éclairés. Ça devrait aller. Mais c'est fou, ils ont tous peur de du noir, de la nuit, ils ont tous peur de cette ville. Mais ils sortent tous quand même, ils restent pas chez eux. Genre, mais pourquoi? Pourquoi? Hop hop hop, j'ai vu un truc. Et non, j'ai rien vu. Allez, 23 mètres. Nous y sommes presque. Pas de... Ça me fait peur hein, quand même ces conneries là. Jeté par la fenêtre. Ça doit être horrible. Mais... Attends. Attends. T'étais pas assis sur le banc tout à l'heure? Oh, je te parle. Est-ce qu'un nouveau chef de la police ferait mieux? Oh là, c'est... Ah, fantôme. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça fait? Non, 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 non. Ah, t'es... Ah, ils sont morts. Oh, c'est ma faute. C'est triste. On s'amusait, c'est tout. C'était un accident. Je voulais faire de mal à personne. Je me souviens pas de... En même temps, comment t'as fait pour faire un accident ici? Oh là là, je te jure, mais le nul quoi, le nul. Essaie de te calmer et parle-moi. Comment tu t'appelles? Brad. Oh putain les gars, c'est Brad Pitt. Je le Explique-moi savais. Explique-moi ce qui s'est passé. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Je sais plus. On était sortis en ville, histoire de se détendre un peu. On a bu un verre, puis trois, puis cinq. J'ai arrêté de compter. Et puis c'est le flou total. J'ai dû vouloir conduire Rick et Laura chez eux. Ah, vous voyez, elle aura croste. Oh, c'est ma faute. Oh là là, blague de merde. Je pourrais jamais me le pardonner. Mais c'est bon, ils sont pas avec toi, c'est qu'ils sont au paradis. C'était peut-être pas ta faute. Tu l'as dit toi-même, les détails sont flous. Je peux essayer de récolter des informations, voir ce que je peux trouver. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, le gars, il veut se dépêcher de retrouver sa femme et il fait toutes les petites quêtes secondaires qu'il peut trouver quand même. Ça doit être la voiture de Brad. Brad, non, sans blague. Ça doit être la voiture de Brad, il y a écrit Brad dessus. T'es sérieux là? Voilà. Oh le mec quoi. Du scotch. Une bouteille de whisky brisé de la marque préférée de Brad. Ce n'est pas bon signe. Alors on savait qu'il avait bu à ce moment. Ah, je peux monter dessus. Alors, enfin, je peux pas monter plus loin. Qui conduisait? Ah ah! C'est mince, mais ça vaut mieux que rien. La station-service est pas loin, je devrais y jeter un œil. C'est mince. Comment ça, elle est où la station-service? Je la vois pas personnellement. Ouais.
La station service, vous la voyez, vous ? Qu'est-ce que c'est ça ? Non. Rien à voir. La station service. Elle est où cette station de service ? Ouais, mais là, je m'éloigne. Non ? Je m'éloigne. Je vois pas du tout où est la station service. Hein. Si toi t'as vécu ici, moi c'est. Je commence le jeu. Alors. Bon, parle-lui. Non, tu peux pas lui parler non plus. Ok. Alors elle est où cette station service? Ah, elle doit être là. Ah bah oui, elle est là. Et ben voilà. Ah, faut rechercher les indices encore. What? Il n'y a pas le tuyau. Je savais pas que t'étais une petite nature. Oh, mec. Laura était en train de faire le plein quand elle a été interrompue par un moment. Eh oui, hein, vous voyez, on dirait la Gracroft, voilà. Donc c'est elle. Il était en train de vomir. Ah, c'est sympathique tous ces bruits. Rick était visiblement complètement bourré, mais il a été tout de même surpris par quelque chose. Ah bon? T'as vu ça dans la vidéo? Si on croisait le meurtrier, je sais pas ce que je ferais. Ah d'accord, c'est par rapport au meurtrier qu'ils ont, ils ont tous peur. Ah bah oui, évidemment. Brad. Ouais, toxique. Je veux dire un taxi. Hein? Un toxique. What? La station service. Ah ouais. La station. Ok. Ok, mais je vois pas ça dans la vidéo, moi. Hein. Pourquoi c'est quoi ces rails qui est, pourquoi mais juste pourquoi? Pourquoi la vie, s'il te plaît? Rien à voir, des rails dans une station-service. Des fois, ça n'a ni queue ni tête. Hein. Trouver une réponse. Non, il manque deux trucs. Non, c'est pas ça que je veux faire. Il manque deux trucs. Il manque quoi? Je sais pas ce qui manque. Si même les flics sont en danger, qui est en sécurité? Ok, qu'est-ce qu'il fout lui? Qu'est-ce qu'il fout? What? Il rentre ses mains dans la porte. Bon, je sais pas ce qu'il fait. Y'a rien dans la poubelle. Alors, cherchons des indices. Est-ce que quelqu'un aurait vu qui conduisait? Ah ben, un taxi. Si j'ajoute voilà. De l'huile pour compenser la fuite, ça devrait tenir encore un an. Non, rien à voir. Ok. Toi, est-ce que t'as vu quelque chose? Maintenant. Ah ben, c'est celle qui était sur le banc, je crois, celle-là. En Espagne. J'ai entendu dire qu'il est brûlé. De quoi tu parles? Quel effet ça fait de mourir? Oh là là, je vous jure, des fois ça n'a ni queue ni tête, mais vraiment. Bon, je vois pas du tout ce qu'il faut chercher là. Pourquoi il y a des rails, non? C'est pas les rails. Du moment que la question elle est plus là, c'est que à mon avis je peux plus rien trouver. Ok, bon on va voir. Est-ce que quelqu'un aurait vu qui conduisait? Non. Ah merde. Il
Bon, je fais une petite coupure pour savoir qui, pour voir si je trouve quelque chose. Ok, re les amis, alors je crois que j'ai trouvé, en fait il fallait juste faire ça et choisir les trois et c'était tous bon. Étaient surpris par un bruit. Qu'est-ce que c'était? Voilà. Ils ont été effrayés par un bruit, je ferais mieux de découvrir ce que c'était. Ouais, c'est ce qu'il a dit quoi. c'est tout. Voilà. Tragique accident, un bruit mystérieux. J'aurais pas dû claquer la porte comme ça. Cette fenêtre sera retenue sur mon salaire. Ces sales ivrognes m'ont vraiment fait chier. Qui va devoir nettoyer leur vomi encore? Ce genre d'abruti fait fuir le client. J'aurais jamais dû laisser cette fille prendre le volant. J'ai pas appelé la police. Ah, donc c'est la fille qui avait le volant. Alors, ah. Au final, c'était pas Brad qui conduisait, c'était Laura. Je peux pas changer ce qui s'est passé, mais il sera certainement soulagé. Le caissier se rappelle qu'une femme conduisait, ce qui ne peut signifier qu'une chose. Que c'était Rick qui conduisait. Mais pas. N'importe quoi. Bon. Du coup, faut que je retourne le voir, mais il est où déjà? Je me rappelle plus. Alors... Ok, un truc là. Plaque station service, ok. Enfin, je sais pas si vous avez envie de lire, hein. C'est pour ça que je préfère vous laisser appuyer sur pause si vous avez envie de lire la vidéo de... Les vidéos durent déjà assez longtemps comme ça pour que, en plus, je commence à lire tout et n'importe quoi. Je pense pas que c'était par là que j'étais. Hein. Et il arrive que le FBI intervienne sur une affaire de... Oula, excusez-moi. La police locale, lorsqu'il a été prouvé que nous avons fait un tueur en série, la police de Salem n'a pas commenté cette déclaration du FBI. Cependant, elle refuse de déclarer un meurtre comme étant l'œuvre d'un tueur en série. Il ne sert à rien de propager des allégations qui auraient pour effet de déclencher une hystérie collective, avait affirmé le porte-parole de la police, Ingrid Larsen. Ah, Larsen. Ah, pardon. Des fois, je m'éloigne. Alors, c'était pas par là, parce que j'ai jamais vu ça, moi. Ça devait plus être par là. Là-bas, voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je me rappelle plus du tout. C'était derrière cette porte. Ah voilà, c'est ça, c'est là-bas. Oui, effectivement, effectivement. Je me souviens. Tu te souviens de la station-service? Attends. Je me souviens que j'ai fait le plein. Faux ! C'est pas toi qui as fait le plein. Petite vidange. L'employé n'était pas ravi de nettoyer après ton copain Rick. T'as même essayé d'appeler... Oh, ouais, de l'humour ! Vidange, plein, ouais, pas de ça. Voiture, l'employé a débarqué hors de lui. N'importe quoi. Vous vous êtes enfui. Et c'est Laura qui conduisait. Allez, ok. Voilà, allez. Retourne au paradis. Alors, c'était pas moi ? Oh, quelle nuit infernale. Ça, mais en plus, ils se sont écrasés vraiment pas loin, quoi. C'est un soulagement de savoir que je suis pas responsable de tout. Et le mur, il est pas censé exister, en plus, alors... Merci. Le gars, il a même pas vu. Allez, va au paradis. Oh, le gars, je te jure. Ah, c'est pas moi qui l'ai tué? Oh, bah ça va, alors. Allez, ciao. Vraiment aucun scrupule, ces gens, hein. Allez, commissariat. Mon chevalier servant. On s'en fout.
Et voilà, c'est sur cette porte que nous allons nous arrêter avec un suspense étonnant, plein de rebondissements dans le futur épisode que vous irez voir, je l'espère. Alors, je vous souhaite à tous bon courage pour cette patience absolue, hein, parce que mes vidéos n'arrivent pas du jour au lendemain. Je vous... Appuyez sur j'aime si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et je vous dis à bientôt, bisous, bye bye.